non, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ne me dis pas que Nexta se fait du mal, on l'aime nous. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. J'espère que vous allez bien mes Saiyans. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet me concernant, plus précisément mes mains. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'elles ont ces mains? Non par contre les gars, c'est vraiment du sérieux et il fallait absolument que je vous en parle en vidéo. Mais juste avant, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire, mettre le code Nexta dans la boutique pour que j'obtienne la Nexta House le plus rapidement possible. Vous le savez, le code créateur s'enlève tous les 14 jours, donc t'attends quoi? Va le remettre. Comme ça j'organise une giga fête dans ma villa et j'invite tous mes abonnés. Let's go Stronghold pour obtenir l'arc grappin, je l'aime trop, il est trop fort, ainsi que pour parler de mes mains, pourquoi elles sont comme ça. Oui, je suis contesté, le coup, il y a deux personnes juste à côté, gros, ils veulent prendre le coffre, si j'ai une aire, aïe 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 aïe, malheureusement j'en ai pas, mais je peux peut-être le tuer, c'est le coffre mythique. On va y aller, on va y aller, on va y aller, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de team up, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, et non, ils sont pas en train de team up, par contre, il a le petit kill, et je vais l'obtenir, la scar gratuitement, ainsi que la popo 50, merci à vous. Oh, c'est vraiment les frérots, miam. Miam miam, je me régale. Non par contre mes Saiyans, le sujet que je vais aborder aujourd'hui est vraiment un sujet sérieux. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin parce que ça me concerne. Et peut-être que vous aussi, il y a grave moyen. Oh par contre avant, moi je vais manger un maximum de stuff, le coup j'aime vraiment ça. Salut à toi Lara Croft, tu vas prendre mon argent et me filer un petit arc. Bim bim bim, je te l'achète, je suis riche et oh. Non, mais j'en ai acheté deux. Mais je suis un gros trolleur, gros. J'ai juré, j'ai pas fait exprès, la vie de ma mère. Mais je vais péter un plomb. Ok, je suis riche. Ok, j'ai beaucoup d'or. Mais je veux les garder. Pourquoi les riches restent riches? Parce qu'ils gardent leur argent ou ils investissent dans des choses qui leur font rentrer de l'argent. Bref, je suis un zizi, en gros zizi. Qu'est-ce que j'ai réellement aux mains? Déjà, j'aimerais commencer par vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment rien. Oh, il y a un mec ici. Tu retournes au lobby toxique. Ciao ciao. Quand je dis c'est rien, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est rien de grave. Ce n'est pas comme si je m'avais taillé les veines, je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais de la vie et ne le faites jamais vous aussi. Bref, revenons à notre sujet d'origine. Je vais vous mettre une vidéo maintenant de mes mains en grand. Regardez-moi ça. Comme vous le remarquez, elles sont un petit peu abîmées. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a pas mal de mini cicatrices, elles ne sont pas au top de leur forme. Je coupe le gameplay une petite minute. Regardez mes mains et dites-vous qu'à la cam, on ne voit pas tout. C'est pour ça que là, j'essaye de vous montrer bien bien en détail. Et le problème, c'est surtout au niveau des doigts, regardez ce doigt là, il est vraiment ultra ultra rouge gros, vraiment il faut que je me calme. Pareil la petite cicatrice là, voilà, c'est ça, c'est du grattage intensif les gars, c'est du grattage intensif compliqué. Et l'autre main ça va mieux quand même, l'autre main à part là au niveau de ce doigt c'est pas forcément ouf par rapport à l'autre main, je suis assez content. Ça va vous paraître bête mais la raison elle est vraiment débile. Oh par contre j'ai un petit coquinou qui veut se battre avec moi et ne t'inquiète pas, je vais accepter le défi parce que moi j'adore les challenges. J'ai la double édite mon ami et tu vas mourir, ciao ciao encore une fois. Mais gros qu'est-ce que j'ai en vidéo, je suis trop fort, j'arrive jamais à mourir, je fais que des top 1, bref 200 de vie. C'est tout simplement à cause du stress, oui à cause du stress, je me gratte les mains et je vous promets que je ne fais pas exprès, c'est un tic. Et j'essaye un maximum de faire attention, j'essaye un maximum de ne pas le faire. Mais j'arrive pas gros, même en dormant, pendant que je rêve que voilà, je lâche des kamehameha dans des grands-mères, je me gratte les mains, voilà, je suis somnambule des mains. Et vous allez me dire directement, mais Nexta, c'est vraiment bizarre, pourquoi tu stresses alors que ta chaîne YouTube marche énormément, on est là pour toi. Eh bien, j'en sais rien, parce qu'en réalité, je ressens pas ce stress. C'est vraiment bizarre dit comme ça, je me gratte parce que je stresse, mais en vrai de vrai je le ressens pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore un client, encore un client. Mais ils en ont pas marre de mourir à la chaîne. À un moment donné il va falloir comprendre que je suis meilleur que vous. J'ai envie d'y aller gros, j'ai envie. Oh oh bah il arrive lui même. Il m'a mis une petite balle. Touché, crack shield, c'est vraiment parfait. On va essayer nous du coup de l'all-in. Il est maintenant tout à fait blanc et j'aime ça mon pote. Tu vas retourner toi aussi au lobby. Il décide de décaler, on va claquer. Non 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 non. Je savais, non le bloom. Les bots, active-toi, ne me lâche pas maintenant. J'ai ce tic depuis que ça marche très bien sur YouTube. Sans vous mentir les amis, à un moment donné ça s'était arrêté. Arrêté parce que j'avais plus une cadence élevée de vidéos. Et du coup mes mains allaient très bien, elles étaient nickel, j'avais plus aucune mini cicatrice. Mais bon vous le savez mais ça aime toutes les choses toxiques, toutes les choses qui cassent les coronets reviennent. Et ce tic est revenu depuis que je suis en daily, depuis que j'upload une vidéo par jour. J'ai du stress que je ne ressens pas mais qui se ressent sur mes mains. J'ai envie que ce tic de
grattage, se barre, casse-toi sur une autre planète, va sur Mars. Parce qu'en vrai de vrai, ça n'a aucun sens. Pourquoi je stresserais alors que ma chaîne marche vraiment super bien? Vous êtes là pour moi depuis 3 ans maintenant sur Fortnite. C'est vrai que bon, tout n'a pas été rose. J'ai pris des pauses, il y a eu des hauts comme des bas, mais vraiment des super hauts. J'ai créé mon propre peuple, le peuple des Saiyans, qui seront toujours là pour moi. J'ai fait 100 000 viewers au trou noir, mon record, ce qui est énorme. J'ai 2 millions d'abonnés, 2 millions de personnes ont cliqué sur un bouton pour me suivre. Parce qu'ils m'aiment bien, ils m'apprécient. Et moi en retour je fais quoi? Je me gratte les mains, je me bute les mains alors que c'est inutile. Non non non, il faut que je me réveille et vous inquiétez pas, je vais y arriver. Maintenant j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aussi ça vous arrive? Est-ce que à cause du stress il y ait un tic comme ça? Peut-être autre que le grattage? Dites-moi tout en commentaire, vraiment j'aimerais grave savoir. Et pareil, si vous avez des solutions, même pourquoi pas des crèmes qui font quand même vraiment bien le travail par rapport à tout ça, mettez-moi en commentaire parce que j'avoue que gros, sans te mentir, toutes les crèmes que j'utilise elles sont éclatées au sol, ça ne fonctionne pas. Oh, j'ai l'impression que c'est le vaccin du coronavirus. Oh merde. Par contre les amis, je suis top 4, je vais essayer de me concentrer quand même pour la fin de cette partie. Ça serait quand même pas mal de la gagner. Il faut que je vous prouve que même avec des mains abîmées, je les atomise. Oh, il y a un gars là, il y a un gars là, est-ce que je peux le buter gros? Oui, oui. Oh, oh, oh. C'est ça qu'on aime, le coup du laser extrême, mon ami. Ciao, ciao, tu retournes au lobby et tu vas du coup me donner miam, 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 ton space 12 et aussi l'ascar. Je vais balancer du coup un petit poisson là-bas, histoire du coup de récupérer de la vie. L'arc grappin qui fait la différence, je mange et je suis en 1v1 pour le top 1. Allez, allez, ça va le faire. J'avoue que j'ai pas d'informations sur où est le dernier. On va essayer de tirer un petit peu de partout pour voir si du coup bah, il remet ses builds. Et en fait, il est tout en haut. Le mec a fait une forteresse, c'est la coupe du monde. Par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais cet arc, il est vraiment ultra intéressant. En fait ça tire pas des flèches classiques. En gros si tu touches le mec c'est comme un harpon, il vient à toi. Et moi je veux que les ennemis viennent à moi, venez je vais vous casser le cul. Pardon, je voulais dire vous tuer. Toucher une fois c'est plutôt pas mal. Ce que je peux peut-être tenter de faire c'est un petit truc shot, mon ami, le crack-shield qui passe. Mais c'est incroyable, allez allez, on flex un maximum, on s'en fout un petit peu. Lui il veut jouer le high ground mais il n'y a pas de problème, j'ai un petit peu de build pour remonter. Il est encore une fois dans les airs et le top 1, c'est fait dans les airs aussi. Je nettoie ton cadavre encore une fois parce que à toutes les vidéos je fais top 1, c'est fait même avec des mains éclatées. Soyons réalistes et honnêtes, mes Saiyans, je suis beau, je suis intelligent, j'ai du flow, mais il y a un problème, j'ai les mains abîmées. Je vous remontre un petit peu, donc là voilà il y a un petit peu des cicatrices et surtout au niveau des doigts, mais ça se voit pas trop à la caméra, l'appareil. Je vous jure que les mains c'est trop important. Et est-ce que tu crois qu'avec ces mains je vais gérer des meufs? Non, pas du tout, donc il faut que je me wake up. Dernier petit message, ne vous faites jamais de mal. Quand je dis ne vous faites jamais de mal, c'est voilà, le taillage de veine, je compte vraiment sur vous, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien en fait. Et vous allez me dire, ouais mais Nexta, c'est similaire de ce que t'as aux mains. Pas du tout en fait, moi je le fais alors que je dors. Alors que le taillage de veine, tu le fais de ton plein gré. Mais Saiyan, c'est vraiment une faveur que je vous demande. Ne le faites jamais de votre vie. Bref, en tout cas, nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Nexta, je vous aime. Peace.